Bonjour à tous. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir comment connecter une monture Star Aventurer GTI à l'application Nina. Donc pour connecter notre monture Star Aventurer GTI ou une ZGTI, on va avoir deux possibilités dans Nina. Soit le fait d'utiliser le driver Syscan application, soit d'utiliser un driver Ascom EQ5, EQ6. Alors, pour l'utilisation du driver Syscan application, il nous faudra lancer en premier lieu l'application Syscan sur le PC. À partir de l'application, en fait, on pourra choisir, je dirais, deux méthodes de connexion, soit par le network, c'est-à-dire le Wi-Fi ou une adresse IP, soit par un port série. Dans le cas du port série, en fait, cela veut dire que la liaison entre le PC et la monture se fera par un câble EQ-Mode. L'autre possibilité sera donc d'utiliser directement un driver Ascom dans Nina, et cette fois en utilisant le câble EQ-Mode en port série. Dans ce cas, ce qui est important, c'est qu'il ne sera pas nécessaire d'exécuter l'application Syscan. Alors que pour l'autre façon de faire, là, il faut que l'application Syscan soit lancée. On va voir donc maintenant la façon détaillée de faire ces connexions. Donc, une fois l'application Syscan installée sur le PC, on va aller dans Paramètres. Et ici, on va pouvoir choisir notre type de connexion. C'est-à-dire, soit on va utiliser le network, c'est-à-dire soit Wi-Fi ou une adresse IP, soit utiliser un port série. On va vérifier qu'on est bien dans le mode équatorial. Donc ici, émulateur, on n'utilisera pas. Par contre, dans cet exemple, on va utiliser le port série. Et pour cela, il faut aller sur le panneau de configuration de Windows et aller dans le gestionnaire de périphériques pour voir en fait quel est le COM série qui a été utilisé lors de la connexion par le câble EQ-Mode entre la monture et le PC. On voit ici sur ce panneau de configuration que le câble EQ-Mode est relié au serial COM7. Il faut donc mettre dans le paramètre dans l'application Syscan au niveau du port série le COM7. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est on va essayer donc de se connecter avec l'application à notre monture. Donc il cherche la monture sur le port série. Et là, on voit que s'affiche un message en vert, mode EQ, qui signifie que la monture est bien connectée. Bon, donc ensuite, bon, donc là, mode EQ, hein, donc là en vert, donc ça veut dire que la monture est bien connectée. Et si on va sur les paramètres, il vous faudra mettre que le suivi se fait en sidéral. Donc voilà au niveau de l'application Syscan ce qu'il faut faire. Maintenant, on va lancer Nina. Donc au niveau de Nina, on se positionne sur la tabulation télescope au niveau des équipements. Et là, on va choisir, en fait, dans les drivers, on va sélectionner application Syscan driver. Une fois sélectionné, on peut venir cliquer sur les engrenages et voir qu'il a bien trouvé le driver. Il n'y a rien à toucher. On essaie de faire une connexion. Là, on ne veut pas synchroniser. Et normalement, le télescope va se connecter à Nina en utilisant le driver. Donc, on n'oubliera pas aussi de mettre dans le tracking le mode sidéral. Et puis, avec les boutons donc de l'interface Nina, on va tester que notre monture bouge bien lorsqu'on clique sur les boutons est, ouest, nord, sud.
et que la monture est bien pilotée au travers donc du driver Syscan par Nina. Donc, voilà, donc on fait quelques essais. On peut vérifier maintenant que le parc fonctionne correctement, donc on va appuyer sur le bouton parc et on va attendre que la monture repasse sur le home position. Une fois parqué, on pourra déconnecter notre monture de Nina, donc en appuyant sur le bouton déconnexion. On répond OK. Ensuite, on ira également dans l'application Syscan déconnecter notre monture. Donc on est bien là, on a vu qu'on voit que le mode sidéral a disparu. Et là, donc on fait au niveau de l'application, on fait déconnecter pour déconnecter définitivement la monture de notre PC. On ferme l'application et tout est OK. Donc maintenant, on va voir la deuxième méthode par le driver Ascom. Donc on va sur le menu d'Ascom et on va cliquer sur Ascom Tools, Hub Tools, et on va venir sur la tabulation télescope. Ici, on aura aussi le setup à mettre à jour. Donc à partir de ce setup, on va pouvoir choisir le driver. Donc ici on clique sur Connect et ici on va choisir Ascom EQ6 EQ5. On va le choisir dans la liste et on va cliquer sur le bouton propriété pour pouvoir paramétrer la connexion Ascom. Alors la première chose à faire, c'est ici venir renseigner le port série pour pouvoir se connecter à travers ce driver ensuite dans Nina. Donc COM7. Ici, on voit qu'on est toujours sur notre COM7 hein, par le câble EQMODE. Une fois renseigné, on vient également positionner ici la latitude, longitude du lieu pour initialiser le driver. Il faut mettre également, dans le cas d'un guidage, Ascom Pulse Guiding et non ST4. Et ici, on met le calendrier, donc classique, et on fait OK. On fait OK ici sur ce panneau de propriétés. Et maintenant, on va essayer de tester en fait la connexion au télescope directement au travers donc, de ce driver. Ici, donc, on fait Connect Télescope et on voit que EQMODE réagit et se connecte bien à notre monture. On peut faire un test pour faire un impark. Voilà, donc là la monture est déparquée. On vient ouvrir le panneau du paramétrage. Et toujours pareil, on va venir positionner tous les paramètres que l'on désire. Alors surtout, c'est ce panneau ici au niveau du guiding où il faudra positionner tous les paramètres conseillés sur le site EQMODE, c'est-à-dire qu'on va mettre 09 et on va mettre 20 millisecondes et c'est tout au niveau du paramétrage. Donc on referme le setup et ce qu'il reste à faire, bon, on va reparquer notre monture. Et on va fermer notre connexion au travers de l'outil Ascom. Donc on fait disconnect. Voilà, la monture est déconnectée. Et ce que l'on va faire maintenant, c'est utiliser Nina en utilisant ce driver. Donc on revient sur notre onglet équipement, tabulation télescope. Et là, on va choisir le driver Ascom EQMODE EQ5 EQ6. Et on va faire connect. Et normalement, la connexion va s'effectuer directement, donc au travers du câble QMODE, et en utilisant notre driver Ascom. On vérifie qu'on est bien sidéral, on imparque notre monture, et on fait comme tout à l'heure, on va tester que toutes nos directions fonctionnent, nord, sud, est, ouest. Et que tout fonctionne donc au travers de cette liaison Ascom.
Bon, voilà, donc là la monture est bien pilotée par Nina. Donc on parque la monture et on voit bien que Nina commande notre monture. Ensuite, au niveau du setup, on peut cliquer ici sur setup et peut-être resynchroniser en fait notre position home pour que ce soit bien enregistré dans l'interface QMode. Donc là, c'est un petit panneau qui nous dit de confirmer que c'est bien la position du home. Donc voilà. Voilà pour les deux types de connexions possibles entre notre monture et Nina. À bientôt.